s'est passé, monsieur? Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un attentat. Comment ça s'est passé? Thank you.
Kalachnikov sur la foule en plein concert. Il y avait 1500 personnes dans la salle. Une centaine de morts. Depuis l'Élysée, François Hollande déclare l'état d'urgence. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Au Bataclan, les forces de l'ordre donnent l'assaut. Trois des terroristes font sauter leur ceinture explosive. Le président de la République arrive sur place. Avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la garde des Sceaux, les élus et la maire de Paris, être là pour mesurer ce qu'est cette tragédie, l'abomination que des barbares ont commise ici, sur plusieurs lieux de la capitale, avec la volonté de tuer le plus possible. Car dans Paris, d'autres lieux de fusillade sont signalés. Une pizzeria, rue de la Fontaine au Roi, dans le 11e arrondissement, et un autre passant tué, boulevard Voltaire. C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais vue en France. Il y a 120 morts au moins et plus de 200 blessés.